Bonjour, en surfant sur Internet, vous avez vu des vidéos et vous vous êtes dit « Ah, ce type de vidéo en diaporama, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois mettre en place pour faire passer mon message, pour présenter mon produit. » Ni une ni deux, vous vous êtes lancé, vous avez téléchargé un logiciel gratuit, vous avez commencé à faire du diaporama, vous avez commencé à enregistrer, et puis, résultat, vous vous êtes aperçu que vous étiez loin du compte. Cela ne ressemble pas du tout à ce que vous avez vu. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la vidéo diaporama n'est pas forcément la vidéo la plus simple à faire sur le web. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ici Christian Mingret, vidéo tutoriel, expert en vidéo pour Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre en place un processus pour créer des vidéos diaporama, mais ce processus, vous pourrez l'utiliser aussi pour créer d'autres formes de vidéos. La première chose que vous devez savoir, c'est le processus à employer. Il est constitué de 9 étapes. Et la première étape, c'est l'écriture du scénario. On ne peut pas faire une vidéo, que ce soit en diaporama, que ce soit face à la caméra, ou que ce soit en tutoriel, sans avoir un scénario construit qui va nous donner toutes les étapes à passer. Sans cela, votre vidéo ne sera pas à la hauteur. La deuxième chose, une fois que vous avez écrit votre scénario, que vous savez à qui vous vous adressez, vous allez prendre votre texte et vous allez commencer à le lire et vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas fluide du tout. Car entre ce que l'on écrit et ce que l'on lit à voix haute, il y a très souvent un grand décalage. Et pourtant, on peut très bien reprendre ce texte et le rendre fluide. Il suffit de le découper correctement. Je peux vous dire que cela fonctionne très très bien parce que je suis un grand dyslexique. Donc un grand dyslexique fait des fautes, mais ne sait pas lire à voix haute non plus. C'est notre grand handicap. Et pourtant, avec la technique que je vais vous montrer, je suis capable de lire du texte pendant 20 minutes de façon aisée. La troisième étape, c'est l'enregistrement audio du texte. Vous allez enregistrer séparément le texte du diaporama. Pour cela, vous allez utiliser un logiciel qui peut être Audacity qui est gratuit ou Camtasia si vous l'avez déjà sur votre ordinateur. En l'enregistrant, vous allez créer des fichiers en MP3 que vous allez mettre de côté, car l'étape suivante, ça va être de créer notre diaporama. Et pour créer notre diaporama et avoir des animations dans le texte, dans les images, etc., que ce soit quelque chose de dynamique, vous allez utiliser un logiciel qui peut être OpenOffice ou LibreOffice, ce sont des logiciels gratuits, ou bien PowerPoint si vous l'avez déjà sur votre ordinateur. À partir du moment où vous avez créé votre diaporama, il va falloir synchroniser l'ensemble. C'est-à-dire synchroniser l'audio avec les visuels que vous avez mis en place. Et là, c'est l'étape clé. Je vous montre comment procéder. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui peut être un logiciel gratuit comme CamStudio ou si vous avez Camtasia, vous pourrez l'utiliser aisément. Une fois que vous aurez synchronisé, vous allez pouvoir produire la vidéo, c'est-à-dire marier l'ensemble. Là encore, il va vous falloir un logiciel. Ce logiciel peut être un logiciel gratuit. Si vous avez un PC, ça va être Movie Maker. Et si vous avez Camtasia, eh bien, on continuera le travail dans Camtasia de façon simple. La production est finie, il va falloir mettre tout cela en ligne. Parce que si ça reste que sur votre ordinateur, ça va être délicat de le distribuer. La mise en ligne, ça peut être YouTube, Dailymotion, Amazon S3. Mais vous pouvez aussi mettre cette vidéo sur votre serveur si c'est une seule vidéo en utilisant JW Player. Pour finir, la neuvième étape qui va être la distribution de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, ce processus paraît simple. Et pourtant, dans ce que vous voyez ici, la formation que je vais vous proposer, elle n'est pas de 9 vidéos, mais de 16 vidéos. Vous avez bien entendu, 16 vidéos et d'une durée totale de 90 minutes. Alors, vous allez vous dire, à combien il va vendre cette formation? Alors, je pense qu'il y a déjà des petits curieux qui ont vu le bouton qui se trouve en dessous. Mais avant de parler du prix, j'aimerais d'abord vous dire qu'il y a une garantie de 30 jours, comme tous les produits que je fais. Vous testez la formation, si au bout de 30 jours, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour vous, vous pouvez demander le remboursement et vous pourrez demander le remboursement à la personne qui vous aura envoyé la formation. Alors vous dites, mais pourquoi il faut que je demande à la personne et pourquoi pas à moi? Eh bien tout simplement parce que le bonus que je présente, c'est la possibilité de créer un lien d'affilié à 100%. En achetant cette formation, vous aurez la possibilité de générer un lien d'affilié. Et vous pourrez le proposer à vos listes, à vos amis, et vous toucherez 100% de commission sur cette formation. 100% moins bien évidemment la commission de PayPal parce qu'on passe par PayPal. Alors, venons-en au prix, pour ceux qui ont vu le prix dessous. Cette formation de 16 vidéos, 90 minutes, est au prix de 7 euros.
Vous allez pouvoir l'étudier, l'analyser, faire vos propres vidéos pour ensuite proposer cette vidéo en générant un lien d'affilié à vos listes, à vos amis, etc. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Eh bien, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous. Vous allez voir que la page va être réactualisée et à la place du bouton apparaîtra un texte qui vous demande d'attendre environ 5 à 7 secondes pour arriver sur le compte PayPal. Arrivé sur le compte PayPal, vous rentrez les informations, vous payez et vous allez être redirigé vers une page et vous rentrerez dans le processus pour acquérir l'ensemble des vidéos. Je dis bien acquérir l'ensemble des vidéos, c'est-à-dire que vous allez recevoir tout de suite les liens des 16 vidéos qui sont mises à disposition pour cette formation. Que dire de plus ? Cliquez sur le bouton et on se retrouve de l'autre côté. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.